observateurs, c'est les vacances. On va vous emmener chaque semaine dans un petit road trip à la façon POA. Et cette année, on a décidé de vous faire partager un peu toutes les petites histoires, tous les off. Alors, je vais vous présenter l'équipe. On est à JFK, Kennedy Airport. On vient de se taper 8 heures d'avion, 45 minutes de douane. Et là, pour le moment, on ne trouve pas le gars qui va nous emmener à la Lexus. Donc, c'est la vraie vie. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Regardez. Mais là, le Premier ministre, il est sérieux, là. Non, je vais toujours bien. Hein? Je veux juste qu'on trouve le petit pick-up qui va nous emmener à... On va trouver Julien Rosbirger qui est avec son bazooka, là. Vous allez bien, Julien? Vous allez bien? Et nous avons Renan Rocher. Le plus grand photographe, hein, photographe officiel. Vous allez bien, Renan? Vous allez bien? C'est bien, c'est bien. Redites-le-moi un peu aussi. C'est le président. C'est bien, j'adore. T'as bien fait de l'entrée sur ta veste. Oui, je vais le mettre un peu. Et là, je disais, cette année, on va faire les choses un petit peu différemment. Parce qu'on a un gros programme, on va être une semaine là. Et on va rencontrer des gens, on va parler bagnole, on va se balader. Mais on va aussi vous montrer, si on peut, les coulisses de POA. Regardez, vous voyez, on n'avait pas le droit de filmer dans l'aéroport. Et Julien, je ne sais pas si vous voyez, il porte 2,5 kg. C'est 2,5 kg. Alors, est-ce que je peux voir ton bras? Regarde. Ça, c'est au début, on verra à la fin de la semaine, tu sais. Dans une semaine, je pense que le mec, il va avoir... Il y a le sac derrière avec le gros. Voilà, donc on attend une voiture qui ne vient pas, ça me rassure parce que chacun son stress, moi on ça me stresse, regarder, ça me stresse Vaz, plus du comme tout. On dit Vaz, ouais. Vaz dit 1h30 pour on va aller à New York, ouais. Ouais. On est contre le bordel. Ce qui m'enchante déjà, c'est les petites choses américaines comme ça, vous voyez. Et donc a priori, il est déjà monté dedans Cédric, lui. Smart Park, c'est nous. Attends. Here we are. Hello sir, what is your name? My name is Tan. Tan. Super, my name is Renault. Are you take my luggage? Yeah. Julien, 3615, very famous. Même in en Amérique, tu sais. Mais dites donc, frérot, vous êtes monté. Attends, je veux le filmer ce camion, moi, c'est la vraie vie. Comme il est beau, tiens. Un E55, un Ford 450. Ça a de la gueule. Alors, il fait 35 degrés, c'est poisseux. Alors, on y va. I just said to Mister, yeah, our driver, we came from France. Oh. Bon, frérot, ça y est, on y est. Ah ben ça y est. Hein? Allez. Hey, tu te rends compte, on va pas être bien pour un road trip là-dedans. Hein? Ça, on a de la place. Hein? Non, mais c'est bien, c'est juste pour nous. Ah, il est content, frérot. Voilà. Alors, on est bien. Alors, il faut quand même dire pourquoi on est là. On vient à la fois parce que c'est un premier gros road trip aux États-Unis. Ouais. Mais on s'est dit que tant qu'à faire ça, soyons toujours original, faisons-le à la POA. On va venir aussi sur les traces d'un constructeur japonais. Ouais. Pourquoi il a réussi aux États-Unis? C'est une énigme aussi. D'accord. On aime bien les énigmes. D'accord. Voilà. Et ben on vient donc essayer une sacrée Lexus. Une LS. Une LS. On sait dire, ne faisons rien comme il faut. C'est pays des rigolo, on va rouler en limousine. Les bleus foncés comme j'aime. Ça pourrait être le titre d'une chanson, tu sais. Monaco, oh là là là, 28 degrés à l'ombre. Elle est bleue comme j'aime. Elle est beau. Il est parti, monsieur le Premier ministre. Ça va, Renan? Ouais. Donc, Lexus, c'est une marque japonaise. Je vais vous expliquer un peu. Je sais que vous, l'automobile, c'est... Oui. C'est une voiture, en fait. Non. Si. Non. Oui, ma valise. Ah, merde. Il a pris... Ah, putain, il fait peur, là. Ouais. Mauvaise nouvelle, c'est que t'as plus de valise. Ouais. Voilà. Monsieur Chang m'a pris le... Voilà, ben ça y est, les enfants. Chers petits observateurs, on y est, c'est le début du road trip, il pleut. Mais on aime bien aller dans les... Où est-ce qu'il est, mon frérot? Notre Premier ministre, il est... Est-ce qu'il règle ou il... Hello. Good morning. Oh, we have to sign something or... No, that's it. Okay. Nothing to sign, Mr. Frérot. When POA is coming, quand POA est coming, la voiture est... Vous n'avez pas besoin de signer. Just POA and it's okay. Thank you, miss. Much. So, just on the right. Yes. Yes. Okay. Thank you very much. On est trop bien là, regarde. On a un petit café. Donc, on va vous emmener pendant une semaine, un mois pour vous, pendant tous les vendredis, aux États-Unis. On va partir de New York et on va aller se balader dans le Vermont. On va aller rencontrer des gens au volant de cette Lexus
moi qui m'impressionne un peu parce que c'est leur vaisseau amiral. Ça rigole pas. Il y a beaucoup à dire, mais on aura le temps de le dire, si je puis dire. Voilà. Et comme on est quatre, on se le fait limousine, on se le fait. Normalement, elle est hybride. Ouais, c'est ça, j'avais vu. Et c'est suite à l'essai du coupé que Lexus nous a dit banco, ça vous dirait, de driver. Eh, regardez l'histoire. T'as vu que t'as une Tesla à côté quand même, Julien. C'est beau ça. Tesla, plus de... Ouais, d'aération et tout. Non, mais plus de calandre, pardon. Ouais. Et eux, la méga calandre. Rien que ça, je suis sûr que t'as 200 commentaires. Mais franchement, t'as l'impression qu'elle va... Les fameux feux. Qu'elle va ramasser la route, tu sais. Allez, venez, hein? viens les gars. Heureusement, je vous ai dit... Mais le Premier ministre, c'est toujours lui qui organise et il pleut. Voilà. Et on aurait pu voir... Quand je pense que j'aurais pu prendre la Winchester. Et après, vous venez dire que c'est un petit coffre, hein, les gars. Quand je pense que moi, j'ai pas amené mon smoking vert en velours, je voulais absolument. Quand je vois, il y avait largement la place. Ah, c'est pas, on représente la France. C'est pas ça que t'as oublié comme costume, tu le sais bien. On représente la France. Allons. Bon, et qui pilote? Achète-toi qui conduis. Non, mais attends, l'expérience, le savoir-faire. Le... Attends, il faut qu'on... Regarde le truc énorme. Ah, mais c'est magnifique. Hein, quand c'est chez DS, tu hurles, mais quand c'est chez Lexus... Non, parce que là, c'est juste, tu sais, c'est toujours la question... Ah bon, c'est juste, là? Ah bah, c'est la question... Mais moi, j'adore aussi, mais... Non, mais là ils y sont, allez, vraiment. Là, ça envoie du bois, hein, dans le... Là, le truc, ça envoie du bois, quoi. T'as vu, tu comprends ce que je veux dire quand tout est nickel? On aura le temps de le redire. Regarde les boutons, j'adore ça. On va combat, deux pistes, trois ambiances. Et t'as vu le son 36-15 Julien. DJ Robody. Voilà. Ah, il savait que tu venais parce que c'était pas prévu. C'est parti. J'adore, t'as vu comme c'est petit, c'est minimaliste. On retrouve le petit écran à l'arrière. Là, ouais. Qu'est-ce que vous avez derrière? Putain, mais c'est énorme derrière. Ah, mais derrière, c'est... Pourquoi c'est... Ah, non, mais en fait, laissez-moi monter derrière. Tu veux combien? 74, là, je te l'ai baissé à 64. Ça souffle. Si je me rappelle bien, je mettais 61. De toute façon, là, je n'ai pas trop le choix. Hein. Oh, regarde, c'est un signe. Il y a une Nexus. Cédric, il est au volant, là, il réfléchit plus. On roule. Commandant de bord. On s'en fout, on roule. Allez, gaz. Gaz. Regarde, il y a déjà de la ficaille là-bas. Là. Tiens, regarde, ils t'attendent. Mais c'est un frère haut. Donc là, je vais tout droit. Ah, super bien le Edelweiss. Ça y est, on y est. Bah, ça y est, on y est, regarde. On y est, regarde. Tu vois, la skyline, c'est-à-dire que les buildings découplent justement l'horizon. Ouais. Et ça fait une ligne, tu vois, avec la ligne du ciel. C'est la skyline. Voilà. C'est la skyline. Et regarde devant nous, ouais. Comme c'est magnifique. On a moi, je peux pas parce que ma caméra, elle n'a pas voilà. De zoom. On a pile l'Empire, ouais. Tu vois, qui est là. Et on a une tour qui est extraordinaire, qui est très fine, qui est une tour en plus d'habitation. Qui est très récente, hein, elle a été inaugurée il y a à peine quelques mois, qui est toute carrée là qu'on voit en face de. Ah, qui est juste devant Times Square. Ouais. C'est ouais. Une des plus hautes et une des plus hautes, tous les trucs vaut des millions. Ouais. J'ai regardé mes documentaires, plus... moi. Et une des plus. Alors, elle est toute carrée, toute basique, c'est un vrai Lego. Et surtout une des plus fines. Ah, et elle a dû avoir, en fait, parce que comme elle est un peu sensible au vent, ils ont des réservoirs en haut pour un peu compenser son balancement. Il paraît que ça bouge tout le temps, même. Ouais, quand tu prends un bain, alors on est vraiment sur la petite. Elle est très fine, il paraît que l'eau bouge. Ouais. On l'a dans le viseur, l'Empire, comme il dit, l'Empireux, tu l'as l'Empireux? Et regardez, zoom. Le monde moderne. Le zoom. Il y a un écran, une caméra, deux caméras, trois caméras. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les c'est petits observateurs que, hein. Tu vois, tu dis, c'est pour revenir à parler de l'automobile, tu la sens chez elle, quoi. La Lexus, là. Ah ouais, tu la sens vraiment chez elle. Hein. Alors là, c'est intéressant, ce que je vais me faire doubler. Il y a un Lexus RX qui va me doubler. Ouais. Je vais le laisser. Et puis, il y a une petite Chevrolet Volt. Ah, enfin. Tu vois, qui est là. Bolt ou Volt? Bolt ou Volt? Ah, ça y est, on y est, les gars, on est en Amérique! L'Amérique! Tellement cinématographique. New York, mais là, c'est trop bien. C'est une ville
fantastique parce que alors la première fois c'est canonissime, mais même les fois suivantes, t'as toujours ce truc, ça te happe. Ça vient t'attraper, tu dis putain la ville de dingue. Oui, oui. Toutes ces polices qui sont là. Ouh, ça rigole moins là. Hein. Ouais. Mr. Frérot, please park on the car, Mr. Frérot. Ils savent qu'il y a le président. Fermer le tunnel comme ça. Ah ouais. Regarde ça, y a ça, je veux absolument. Ça, c'est les images à la POA, à l'ancienne. Voilà. Chers petits observateurs, bienvenue à New York. Et le tunnel, t'as vu, il est vachement. Il y a de la céramique posée sur les murs. Regarde, il y a du bitume par terre. Il y a des néons au ciel. Il y a même l'électricité. Waouh. Mais là, tu vois, on parle de trucs américains. Là, il y a le van typique que tu vois dans tous les films, les trucs d'escrocs. Oui, oui, c'est oui. Vraiment celui-là, en blanc, comme ça. Là. New York. Quand je vais tout droit et à 30 mètres, tire à gauche. À 30 mètres, je vais à gauche. T'as l'impression que t'as toujours conduit dans Manhattan, Cédric, là. T'es... Non. C'est comme... Non, mais là, t'es comme à Paris, au fond, ou c'est pareil ou... Ouais, c'est pareil, c'est même un peu moins... C'est même gentil, je trouve. C'est très... C'est cool. C'est plus soutenu qu'à Montréal. Mais tu sais, quand t'as fait Paris... Ça c'est vrai, je peux être fier, quand tu sais conduire... Ouais, c'est marrant, les Marseillais disaient toujours qu'on est Marseillais, mais bon... Ouais. Et aujourd'hui, Paris en plus, c'est vachement pacifié, parce qu'Hidalgo a réduit les files de circulation, c'est devenu embouté, t'avances plus. Mais moi j'ai connu Paris sous Jacques Chirac, où c'était fluide, et il y avait moins de trafic, et je me souviens de trucs où ça roulait. Chers petits observateurs, la vraie vie, c'est le bordel. On est à New York et vous voyez les grandes villes. C'est vraiment les encombrements. Ça me rassure, il n'y a pas qu'à Paris. Regardez cette belle Lexus. Je suis content de vous emmener là quand je pense qu'on a commencé il y a 8 ans. Et ce qui est très impressionnant depuis une heure qu'on est dans les encombrements, c'est le nombre de voitures japonaises. Je n'en reviens pas. Je le savais, mais quand vous le voyez, c'est quand même plus... Regardez, des Honda, des Infiniti, il y en a partout. Ben, la bagnole n'est pas morte encore. Mais on comprend bien le problème des centres-villes. Alors, je ne sais pas si on a le droit de traverser. Je vais le faire à la parisienne. Mais avouez que c'est quand même génial d'être avec vous. Voilà. Les petits chiens, les petits Yorkshire qui font leur pipping. Les hot dogs, le vent, les tours. Regardez-moi ce camion, mais regardez-moi, mais ça c'est le plan que je voulais vous offrir. Le beau camion tout rouge. Il est trop bien. Il est génial. Ça c'est de la bagnole, ça c'est du bien ça. Non mais, Il y a une Julia là, regarde. De la voir en version ricaine. Ça c'est trop bien. Fréour, il fait agent de la DEA, mais haut de gamme. Hein, il fait patron de la CIA. Il fait patron de la CIA haut de gamme. Ah ouais. En face, là-bas. Voilà, vas-y vite. Voilà. Regarde ça. Regarde Fréour, t'as vu le métier? Hein? Good morning, we at the hotel here. And they say we can park the car here. Mm-hmm. Okay? 194. De toute façon, we pay when we take back the car. Ouais, donc tu payes quand tu reprends la bagnole. Okay. Alors, laisse tomber. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est que l'Amérique, l'optimisation. Voilà. Deux places l'une sur l'autre. Ouais. Tu vois ça? Il y a ça à Nantes? Mon cul? Non. C'est pas vrai. Ton cul, on n'a pas à Nantes. Y a pas... C'est vrai? Non. Tu vois? La classe à Dallas, frérot. Ouais, avec la bagnole et tout, là, c'est bon. Ouais. Super. Et c'est là que demain, $300. Est-ce qu'il va nous la mettre?
Texas Manufacturer.